Bonjour, nous sommes le vendredi 11 mars. C'est une grande joie que de pouvoir célébrer ce premier vendredi de la première semaine de carême. Nous aurons le chemin de croix, bien sûr, qui sera une expression profonde de notre union à la passion du Christ. Celui qui veut être mon disciple, qu'il prenne sa croix et me suive, qu'il marche derrière moi et qu'il me suive. Et j'aime beaucoup, en ce vendredi, vous redire une prière qui m'habite toujours. Jésus, passe devant moi, parce que sans toi, je ne peux rien. Je ne suis pas capable de porter la croix, d'ailleurs, je la traîne. Mais avec toi, oui, je me sens fortifié comme Simon de Cyrène à porter cette croix. Je voudrais qu'en ce premier vendredi de cette première semaine plutôt de carême, nous renouvelions notre souhait de vivre la croix comme une sagesse, la croix comme une gloire, la croix comme l'expression, je dirais, d'un don plus pur, plus profond. Dans ce chemin de croix, nous avons toutes les attitudes qui, je dirais, manifestent la noblesse du cœur humain. Cette noblesse du cœur humain que Dieu a tant aimé, puisqu'il l'a fait à son image, à sa ressemblance, et que Dieu voulait absolument vivre avec nous, en compagnie de nous, comme une famille réunie autour de son Père, de son Frère et dans l'Esprit Saint. Oui, la compassion, les gestes de miséricorde, les gestes de soins les plus délicats, les plus élémentaires, les prières, le silence aussi. Alors je pense bien sûr à Véronique, je pense à la Vierge Marie, je pense à Jean au pied de la croix, et puis je pense à Simon de Cyrène. Voilà tous ces gestes, toutes ces femmes aussi qui pleurent, ce centurion qui lui-même, voyant Jésus sur la croix, ayant versé tous l'eau et le sang, dira « Celui-ci était vraiment le Fils de Dieu », un témoignage de foi. Alors oui, il y a tout dans ce chemin de croix pour, je dirais, trouver la sagesse de la croix. Amour et vérité se rencontrent, justice et paix s'embrassent. La vérité jaillira de la terre et du ciel se penchera la justice. Le Seigneur donnera ses bienfaits, notre terre donnera son fruit. La justice marchera devant lui et ses pas traceront le chemin. Psaume 84. Puissions-nous le dire et comprendre dans ce psaume toute la vérité de la sagesse de la croix. Amen. Bon et vendredi, bon vendredi de la première semaine de carême à vous tous. Vive Jésus, vive sa croix.